Ah non. Pas elle. Ah, mais tu la connais? Tu peux lui demander qu'elle baisse son arme? Je vais t'expliquer que... Ah, vraiment mon ami. Comme ça, je ne porte pas dans mon cœur. Ok, il y a trop bien ici, là. Eh merde. Tu te souviens ce que tu m'as fait? Mais oui, mais là... Mais vois-tu, je peux t'expliquer, j'avais un rendez-vous urgent aussi. Vous pouvez m'expliquer ce que j'ai un train de retard, là. Ok. Mais d'abord, tu vas te... Ok. Ah non. Ah non, vous ne faites pas ça. Hop. Mais tu me connais. Ouais. Mais bon. Oh putain. Ah. Bah. Très sympathique, hein, n'empêche. Désolé. On soit pas désolé pour un abruti pareil. On y va? Il me laissera pas partir, hein! Il me laissera pas partir! J'ai croisé ce fourbe il y a une semaine. Je cherchais, comme toi, à sortir de ce bois maudit. Il m'a proposé de m'aider à sortir, soi-disant. Il connaissait le chemin par cœur. Je l'ai donc suivi pendant 3 heures. 3 heures à m'enfoncer de plus en plus loin dans le bois. Quand je fus à bout de force, ne pouvant plus marcher, il m'assomma et me laissa ici dans ce bois. J'ai réussi à m'en sortir, mais je me doutais qu'il allait recommencer. Alors j'ai parcouru les villages alentour, tué de nombreux passants pour me venger. Mais je ne l'ai jamais vu. Oui, c'est la même pour moi, ça fait 2 heures qu'il me fait un tonnant de bruit, cette andouille. Ouais, oh, non, tu sais pas là, si tu veux peut-être. Bah ouais, pourquoi pas. Bah, je suis. Et sinon, ça fait combien de temps que t'es ici? 2 ans à peu près. Ah ouais, quand même, mais t'es d'ici? Non, pas vraiment, je suis de la terre, comme toi a priori. J'étais plutôt une bonne élève, hein. J'avais 16 ans et puis surtout j'étais accompagnée, ce qui est plus qu'à maintenant. Mais comment ça se fait que t'es arrivé ici? Bah figure-toi que je vais te poser la même question. Parce que j'étais en train de marcher et puis tout a changé. J'ai pas compris. Ah oui, enfin sorti. Merci. Bah de rien, bon moment, je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire. Ça te plaît? Je la reconnais, c'est la mienne. Mon père me l'avait offert pour mes 15 ans. J'ai toujours aimé les épées. Je l'ai perdu ce fameux jour où tout a changé. Sous la panique, j'ai couru pour chercher mes parents et j'ai dû la perdre entre temps. Comment tu l'as eu? C'est un vieux marchand qui me l'a vendu. Mais ça veut dire que le vieux marchand venait d'ici? Mais pourquoi vouloir s'en débarrasser? Car à 2 euros, ce n'est pas une vente, hein, c'est simplement du débarras. Moi je sais! Quitte à revendre quelque chose, autant qu'il nous rapporte de l'argent. Ah voilà, pour une fois qu'il dit quelque chose de sensé. Ouais! Attendez, il y a quelque chose qui cloche là. T'achètes mon épée, tu te retrouves aussi ici? Ça voudrait dire que l'épée, c'est la clé pour rentrer dans ce monde. À force de poser des questions, on commence à s'attirer des problèmes. Oh. Ah. Mais pourquoi il court? Oui, vas-y. Mais c'est qui voulait nous tuer? Encore heureux que... Même sérieux, il est pas doué. Hein. Ouais, non. Et c'est complètement stupide, mais c'est normal. C'était qu'un double de moi. Pas l'original. Il était censé vous tuer. Rien de plus. Mais t'es qui, toi? Moi, je suis le vrai John. Celui-là qui est censé vous protéger. Vous protéger de quoi?